Hello les amis, c'est Laurent pour la chaîne Vélo Rando. Je serai aujourd'hui accompagné de Lionel. Bienvenue dans la sublime randonnée, une rando qui porte bien son nom puisque nous allons partir sur des corniches vertigineuses avec des points de vue incroyables au-dessus des gorges du Tarn et des gorges de la Jonte. Et voici le hors-d'œuvre pour commencer cette randonnée avec du vertige évidemment, puisqu'on va attaquer avec le rocher de Capluc, un rocher de 650 mètres qui domine le village du Rosier dont nous sommes partis, et c'est un rocher équipé d'échelles. Bien, c'est parti dans les échelles à la suite de Lionel. Il y a une bonne vingtaine de mètres à monter. Direction le sommet du rocher de Capluc. Sur des échelles légèrement branlantes. Si vous avez le vertige, c'est pas l'endroit où il faut venir ici. Et voici Capluc, juste en dessous de moi, le village ruiné. Et puis là, vous voyez, il y a des barres pour s'assurer un petit peu dans cette partie. C'est toujours plus impressionnant à descendre qu'à monter. Donc, avant de monter, faites attention de savoir si vous pouvez descendre d'abord. J'ai Lionel qui m'attend là-haut. Vas-y, fais-en une autre. Voilà, une très courte montée, ça prend 2 ou 3 minutes, et voici où on débouche. Je pense que la vue doit être bien sympa, Lionel. Voilà, la vue magnifique donc de ce rocher de Capluc à 650 mètres au-dessus des gorges du Tarn d'un côté et des gorges de la Jonte de l'autre, avec le village du Rosier dont nous sommes partis, c'est en Lozère, et de l'autre côté, le village de Peyrelos avec son château bien connu, le Cosse Noir juste derrière, et puis là voilà, on surplombe les gorges de la Jonte. C'est juste la sortie des gorges ici, avec une route bien touristique.
et puis la suite de notre magnifique parcours qui s'annonce vers le Cosméjan. Voilà la vue splendide que vous pouvez avoir de ce petit nid d'aigle acrophobe en tout genre. C'est pas votre endroit ici, hein. Parce que voilà ce qui vous attend pour la redescente. C'est toujours la partie la plus impressionnante, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'on se retrouve dos ou vide, bon, pas face comme moi là, mais il y a un petit vide d'une vingtaine de mètres là pour rejoindre la base du rocher. Ça gaze, Lionel? Voilà, il suffit juste de bien agripper les barreaux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, c'est de la via ferrata, mais sans corde. Voilà, il faut aller la chercher, la dernière échelle. Mais bon. Allez, c'est fini le hors-d'œuvre, Lionel. Goulie, reviens-y. On va faire passer au plat de résistance maintenant. Voilà, tranquille. Voici une des premières belles formations de ce parcours sous le rocher de Capluc, avec ce rocher là, impressionnant. À la pique de nos échelles là. Et là va commencer à proprement dit la véritable randonnée, parce que là c'était une partie qu'on va dire non obligatoire du circuit. Et pour monter à ce rocher de Capluc, à la base du rocher, vous voyez qu'il y a des marches taillées qui sont assez raides. Hein. Ouais, c'est équipé avec un câble, heureusement. Parce que par temps humide, ça doit bien glisser ici. Alors l'endroit à ne pas manquer, si vous voulez faire exactement notre parcours, c'est ici. Autrefois, c'était indiqué Sentier Brunet. Voilà, c'est donc parti sur le sentier Jacques Brunet, qui était un poète et explorateur de ce secteur qu'il aimait bien. Je pense que ce nom lui a été donné en son hommage, car il est mort pendant la Première Guerre mondiale à 23 ans, en 1914. Et c'est un sentier qui est annoncé comme difficile. On l'a déjà parcouru nous-mêmes, donc on le connaît un peu. C'est vrai qu'il y a une petite cheminée à passer, des petits pas d'escalade. Mais bon, ça reste quand même accessible. Et voici notre petite cheminée. Bon, c'est pas là. C'est pas quelque chose d'énorme, de très imposant. Mais il faut toujours être prudent dans ces passages. Rocher un petit peu lisse. Voilà, le passage est légèrement aérien de cette rando. Il y a un petit peu de vide sur la droite. Ouais. Encore un coup d'œil sur notre rocher de Capluc avec sa croix blanche bien visible. Et puis Peyrelo à sa gauche. Allez. Tu veux y aller? Ouais. Bon, eh bien, écoute. Mais il ne faut pas perdre le fil du sentier quand même ici. Est-ce qu'il y a de quoi? On dirait que là il est plein de crêtes. Hein. Ouais, c'est en gros c'est sur la crête, ouais. Ouais. Allez Lionel, trouve-nous le sentier. On l'a légèrement perdu ici. On ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Il faut bien ouvrir l'œil. Il faut bien ouvrir l'œil, ouais, effectivement. Faut voir ce qui est faisable, on ne veut pas s'aventurer n'importe où. On s'approche d'une curiosité géologique assez exceptionnel. En fait, on la voit sous l'angle qui est le moins impressionnant ici. Vous allez comprendre dans quelques instants de quoi il s'agit. Donc tu vas chercher la base de ce rocher qu'on contourne par la gauche. Et après, on aura sa plus belle vue quand on sera arrivé de l'autre côté, là-bas, près des sapins.
Et là voilà sous son meilleur jour cette formation rocheuse qu'on appelle l'enclume. Ça ressemble aussi à un bateau. Donc plus que le marteau. Voilà, tout au long du parcours, on se trouve dans une forêt de pins accrochés à ces rochers. Voilà, nous avons quitté le sentier Jacques Brunet pour retrouver le sentier classique qui enroule donc le Cosméjean. Et donc après une courte descente, on va se retrouver assez rapidement sur les corniches. Voilà, il n'est pas encore très bien visible. C'est une curiosité géologique que l'on va approcher. Évidemment, il s'agit d'une grosse pierre. Vous allez voir ça dans un instant. Restez parmi nous et surtout, pensez à vous abonner. Voilà, c'est toujours sympa de laisser aussi des commentaires, d'appuyer sur la cloche pour les notifications. Et voilà, ça devient déjà vertigineux de partout. Ah, c'est sérieux. Et voilà l'instant waouh du parcours. Il s'agit de deux monolithes géants, très connus dans la région. Alors là, on est un peu à contre-jour, on les verra mieux tout à l'heure. Mais ça s'appelle le vase de Sèvres en premier et le vase de Chine, tout à fait à droite. C'est deux gros rochers qui tiennent sur une base tout à fait étroite. Qui a à peu près 150 à 200 mètres de vide. Et là, il y a des alpinistes qui montent, des grimpeurs, souvent qui sont ici. Bon, nous, on va pas s'y lancer là aujourd'hui. Et on va aller voir d'autres vues sur ces, on va aller voir ces deux monolithes donc géants sous un autre angle. Et voici le second monolithe, le vase de Chine. Et là, donc, on va rentrer dans le parc national des Cévennes. Donc, à partir d'ici, on va plus faire voler le drone tant qu'on est dans le parc. Parce qu'il y a des espèces protégées, de toute façon c'est interdit. Voilà, voici le vase de Sèvres que l'on a survolé tout à l'heure. Et là on se rend vraiment compte de cet à-pic impressionnant. Voilà une des vues classiques donc de ces deux monolithes perchés au-dessus des falaises, des gorges de la Jonte. Et on a déjà aperçu des grimpeurs là-bas. Mais là je crois qu'on ne les voit pas à l'image, c'est dommage. Du rocher un peu plus petit pour entrer dans le pas du loup. On va se jeter dans la gueule du loup. C'est une étroite faille fermée par un portail là-haut.
Allez, on tombe dans l'obscurité là, du Pas du Loup. Sentier magnifique qui offre toujours des points de vue. On peut aller sur le bord des falaises, admirer le paysage sous des angles différents chaque fois. On en arrive toujours à la pique des falaises, tout le temps, dès qu'on prend un peu à droite. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment des colonnes impressionnantes. Colonnes de pierre. Le voici donc, le fameux belvédère du Vertige. Heureusement, il y a cette barrière pour s'accouder. Parce que sinon, ça peut faire peur. C'est une belle falaise, hein. Je crois qu'il y a à peu près 150 à 200 mètres de haut. 150, c'est quasiment sûr. Hein. Jusqu'à moi, quand même. Ouais. 200 mètres, c'est la route. Hein. Pied des falaises, c'est un petit peu moins élevé. Voilà, on poursuit toujours en balcon. Et les vues sont sans cesse renouvelées sur les gorges de la Jonte. On a aperçu un vautour, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant, c'est dommage. On vous en montrerait bien, sachant que c'est une espèce qui a été réintroduite. Il y a 30 ans à peu près, on retrouve le vautour moine, le vautour fauve, le gypaète barbu. Mais là, ils sont en train de se cacher pour l'instant. Et là, on s'arrêterait tous les 10 mètres. Il y a toujours quelque chose à voir. Et on domine le village du Truel. Il y en a juste en dessous de nous. Et se trouve la maison des vautours. Voilà, c'est ce bâtiment tout près de la route là, qu'on voit. Je pense. Vers juste au virage. Ouais. On le voit, on voit la voiture. Allez, Lionel, t'admire le Cosse Noir juste en face de nous. Ouais. Et le Cosse Noir, c'est le moment de revisionner une ancienne vidéo qui s'appelle l'Ermitage Saint-Michel. Ben, on l'a quasiment en face de nous, là, Lionel, sur ce piton rocheux là-bas. L'Ermitage Saint-Michel sur les corniches du Cosse Noir, une vidéo vélo rando que je vous invite vraiment à revoir. Je vous la mets en haut à droite. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour, ouais. On s'apprête à bientôt quitter les corniches des gorges de la Jonte. On en a pris plein les yeux, j'espère que vous aussi. Voilà, on vient de quitter les corniches des gorges de la Jonte, l'une des parties les plus spectaculaires du parcours, vertigineuse à souhait. Et là, on est en train de rentrer dans la forêt du Cosmévian pour traverser le plateau, c'est-à-dire partir des gorges de la Jonte vers les gorges du Tarn. On va retrouver à nouveau quelque chose d'assez spectaculaire, vous allez voir. Et puis on croise pas mal de gens qui marchent dans le sens inverse, parce que souvent c'est le sens classique de ce parcours. Sachant que nous sommes début septembre, il y a déjà pas mal de monde à 11h du matin. Donc je vous laisse imaginer qu'en plein été, vous serez loin d'être seul, en tout cas sur cette section. Changement de versant, ça y est, on est passé sur les gorges du Tarn. On vient de traverser le Cosmévian qui est vraiment pas large à cet endroit-là. Et puis donc on se retrouve sur un sentier beaucoup moins usité que celui que l'on avait tout à l'heure. Ici, il est beaucoup plus rare de croiser du monde. Et là donc c'est pareil que tout à l'heure, on va avoir des vues en balcon. Il y en aura peut-être un petit peu moins que sur les gorges de la Jonte, mais celles qu'on va avoir, elles sont superbes aussi. Et voici le dessert qui se profile à l'horizon. Le dessert qui sera très copieux, ça s'appelle les échelles du 5 des gros. Mais juste avant ça, on a quand même le pas des trois fondus à descendre. Ouais. Et le pas des trois fondus, vous allez voir, c'est pas de la tarte aussi. Ce sont des échelles qui équipent une paroi rocheuse. Et donc là, il faut faire très attention. Il n'a pas des trois fondus, il approche. Il approche, ouais. Il approche, c'est de la petite désescalade. Alors, là, vous voyez, c'est facile. Il suffit de descendre ces barreaux. Donc j'y vais. Je pensais que Lionel tirait en premier, mais bon, là, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Dans cette partie, il ne faut pas s'affoler. Il y a des barreaux, il y a tout ce qu'il faut. Hop, on s'accroche. Voilà Lionel qui va tranquillou. Voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on a des gens qui nous précèdent, donc et qu'on peut filmer. Voilà, ils sont en train de monter sur l'arête par la partie la plus raide des escaliers. Et après, il y a d'autres marches à monter pour aller tout à fait là-haut, avec une vue splendide sur les gorges du Tarn.
Voilà, Lionel est en train de passer la première échelle. Voilà, donc avec un bel aplomb quand même sur le dessous, mais là. Bisous. Ouais, pas trop vite quand même. Alors, je vous montre cette échelle qui doit faire quoi? Peut-être 7 mètres de haut, 7-8 mètres de haut. Voilà, l'autre est peut-être un peu plus longue, la suivante. Voilà quand même ce que ça donne dessous. Hein. Tu m'attends un tout petit peu, Lionel, j'arrive. Voilà, ma petite échelle, la première. Du pas des trois fondus, il y en aura deux autres. Alors voilà, je quitte l'échelle supérieure. Et là, effectivement, là on a l'impression d'être suspendu dans le vide parce que dessous, voilà ce que ça donne. On aperçoit la première échelle et la deuxième échelle là qui. Et là, il y a peut-être 10 mètres de haut là, facile là. Et voilà, voici la fameuse vire qui nous permet de revenir vers les échelles, les derniers barreaux, dernière partie de la descente. Alors là, attention, effectivement. Il y a quelques mètres à descendre. Il faut savoir que la falaise qu'on aura descendue, c'est à peu près 70 mètres de falaise environ. Hein. Voilà, séquence frisson avec Lionel. On a préféré sortir la corde pour assurer. C'est ce qu'il faut faire en temps normal. Quand on n'est pas sûr de soi, ça sert à rien de s'amuser à prendre des risques. On avait quelques 10 mètres de corde qu'on a enroulé autour de l'échelle. Voilà, prends bien appui, tiens bien quand même la corde, les deux brins à la fois. Voilà, ça te fait une petite main courante. Ouais, c'est nickel. Un petit peu de chiante là. On sait pas trop où poser les pieds là. Ouais, sur la gauche il y a une souche. Ouais, tu étais là. Je te suis. Voilà. Là, toi, ça y est, le pas défendu, c'est terminé. Allez, c'est parti pour le cingle gros. Le cingle gros, c'est un gros rocher déporté du Cosméjan et équipé d'escaliers. Par Édouard Martel, fondateur de la spéléologie. Ça monte raide, hein? Et ça monte à flanc du. On pourrait pas monter autrement. Allez, c'est la montée finale vers le 5 le gros. Je te suis, Lionel. Voilà, là, il faut enrouler un petit peu autour du sommet. Il y a encore quelques autres échelles à passer. Voilà, donc merci Édouard Martel d'avoir aménagé ça pour nous. Je ne sais pas, c'est à peu près dans les années 20, 1910, 1920. Si quelqu'un a des précisions, qu'il n'hésite pas à me les laisser sous la vidéo. C'est l'escalier branlant ici. Parce qu'en fait, il bouge. Il n'est pas tout à fait scellé à la paroi. Plus grand. Là, il bouge un peu encore. Hop là! Voilà, je crois qu'on a dépassé midi largement. Il commence à faire chaud. Donc en plein été, partie à éviter, à moins que vous aimiez la chaleur peut-être, hein, on ne sait jamais, il y a toujours des amateurs. Voilà, déjà ce que ça donne derrière moi, et on n'est pas encore au sommet, vous allez voir la vue tout à l'heure.
Voilà, on est sous la base sommitale du Cingle Gros. Et dans Cingle Gros, il y a Cingle. Cingle, ça veut dire méandre. Ça, c'est également une couleuvre dans le sud-ouest. C'est des couleuvres jaunes et vertes, je crois bien. Et voici donc la fin du dessert. Mais quelle fin! Comme vous verrez la vue sur les gorges du Tarn. Ouais, c'est de la vue exceptionnelle. Voilà les derniers mètres. Et là, on va y arriver dans notre Cingle Gros pour une petite échelle. Voilà la dernière échelle du parcours. Il n'y en aura plus après, il faudra juste les redescendre. Et le moment waouh, le voilà. Ah oui, j'ai envie. Voilà, je vous fais un rapide topo de ce qu'on peut voir. C'est les gorges du Tarn, donc avec l'entrée des gorges du Tarn ou la sortie, ça dépend dans quel sens on voit le Tarn circuler. Avec Peyrelou tout à fait au fond, donc le Tarn juste ici. Et en face de nous, vous avez une ancienne rando qu'on a faite il y a quelques temps sur notre site que vous pouvez revoir. C'est les hameaux perdus du Causse des Sauveterres avec Églazine en face de nous et Saint-Marcelin. Voilà, c'est des villages semi-troglodytiques. Et puis la suite des opérations, c'est le Causse-Méjean, les Corniches, et puis le Tarn qui s'étire presque à l'infini là-bas. Direction la vallée, direction les gorges même plutôt pour être précis parce que c'est des gorges ici. Hein. Bon, il va falloir redescendre tout ça quasiment pour nous rendre 4 km plus loin jusqu'au Rosier d'où nous étions partis. Voilà la Lozère, département sauvage, vous l'avez vu, magnifique.
un grand plongeon vers le Tarn, vers les gorges du Tarn, pour attaquer le retour. Il y aura encore 4 km de retour le long du Tarn, et puis d'abord il faut quand même avaler cette longue descente. Allez, le gros de la descente est passé, on est presque sur les rives des gorges du Tarn. Mais on ne va pas tout à fait descendre en bas en fait. On va se diriger vers le hameau qu'on aperçoit vers le centre de l'image là-bas. Et on va rester à une certaine altitude, peut-être, je sais pas, 30-40 mètres au-dessus de l'eau. Et voici l'instant Nutri Naturel, notre partenaire bio, qui nous propose ces murs noirs de Mondial Hubertis, c'est le fabricant. Excellente pour l'apport glucidique. Vraiment très bonnes. Elles ne sont pas tout à fait séchées, légèrement molles. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Voilà, ça donne ça. Parfait pour la... quand on a un petit coup de barre. Voilà la dernière halte avant le rosier. Cette belle maison Cossenarde. Tout petit hameau, bien tranquille. Situé environ à combien, Lionel? 3 km du rosier environ. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas s'il est encore habité, hein. C'est pas du tout sûr. Parce qu'il y a beaucoup de végétation tout autour là. On vient de faire le tour du propriétaire quand même avec le four. Petit four à pain. Merci à vous toutes et à vous tous d'être restés avec nous jusqu'au bout de cette aventure. Si vous avez aimé, merci de penser à vous abonner, à laisser des commentaires. Et puis nous, on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure qu'on espère tout aussi belle que celle-ci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Allez, ciao, ciao.